Good morning, la Yidan Nessus, aujourd'hui le Nishmat Richaron Ben Fortuné Mazal, Claude Israël Ben Fortuné Mazal et Olga Batzol Vanish. Si vous souhaitez vous aussi d'étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions en Masechet Rosh Hashana, Perigdalet Mishnah Hey. Seder Brachot, Omer Avot, Ugvurot, Ugdushat Hashem, Vekolel Malchuyot Imahen, Veenot Tokia, Gdushat Ayom, Vetokia, Zichronot, Vetokia, Shofarot, Vetokia, Veomer Avoda, Vehodaa, Ubirkat Kohanim, Divre Rabbi Yochanan ben Nouri. Amarlo Rabbi Akiva Imanotokia le Malchuyot Lema ou Mazkir. Elle a Omer Avot Ugvurot Ugdushat Hashem. Vekolel Malchuyot Imgdushat Ayom Vetokia. Zichronot Vetokia. Shofarot Vetokia. Omer Avoda Veoda Ubirkat Kohanim. Deux principes pour expliquer cette Mishnah. On est en rapport avec la Mitzvah du Shofar que maintenant on étudie depuis les deux Prakim. De Guimel et Dalet. Guimel, c'est pour découvrir. Quel type de chauffard Dalet, maintenant, ça va pour expliquer à quel moment la tfila sonnait le chauffard. Deux principes. La Torah, elle nous a dit de sonner le chauffard pour plusieurs raisons. Essentiellement, parce que le chauffard, grâce au chauffard, on fait monter nos zichronot, notre souvenir devant Hachem. C'est expliqué dans tous les livres de Moussar. Là n'est pas notre principe. Pourquoi ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Le mérite d'Abraham Avinu, le fait qu'on sonnait le chauffard avant de se faire juger, c'était une manière d'inviter le. De démarrer le procès, nécessairement, la tchouva qui vient avec le chauffard, on a dit, on ne va pas parler de Moussard, notre but c'est d'expliquer le principe de la Mishnah très rapidement. Il y a la Torah, elle nous a dit, donc, lorsqu'on va sonner le chauffard, « Ovium zivrachem, ovium simchatem bovum adechem, ovrachem, utkatem bachatzotzot alolotechem, vel zivre shalmechem, veayu lachem, les zikaron, grâce à ça, ils seront pour vous un souvenir de Hachem. » Hachem, il se... Grâce à ça, on refait vivre le souvenir de la Kedat Yitzhak, Nifne Elohechem, Ani Hashem Elohechem. Le passage, si vous faites attention, il dit Vayelohechem Nezikaron, donc par lui vous vous souviendrez, vous rappellerez votre souvenir, Nifne Elohechem, devant Hashem, Ani Hashem Elohechem, Hashem, Hashem, je suis Hashem votre Dieu. En fait, en deux mots, comme c'est à l'époque aussi, on sonne le chauffard avant que le roi il arrive. Nous, notre roi, il est spirituel, il n'est pas Gashmi, mais on sonne le chauffard pour l'inviter à résider parmi nous, on est prêt à recevoir sa royauté. Le principe du roi, donc, c'est notre roi. Alors, comme nous dit le Pasouk, de là, on déduit que, donc, lorsque tu sonnes le chauffard, tu mentionnes qu'Hachem, c'est notre roi. On entretient un rapport de roi et de sujet avec lui. C'est pas juste comme si je pourrais élever des fourmis, que je m'occupe de leur donner à manger, que je m'intéresse pas à ce qu'ils font. Non, Hachem, il s'intéresse à nous, il est glorifié par nous. D'accord? Donc il faut nécessairement mentionner les malchouyot pendant qu'on sonne le chauffard. En plus, un autre passage qui nous dit « Zichron teroua », le souvenir du chauffard. En fait, en deux mots, il faut, lorsqu'on sonne le chauffard, c'est déduit de psukim dans la Gemara, il faut mentionner des psukim ou Hachem, où il y a les malchouyot, « Zichronot chauffarot ». Malchouyot, c'est qu'Hachem, c'est notre roi, comme on a dit qu'on entretient un rapport de roi. « Zichronot », que grâce au chauffard, ou même son chauffard, en fait, Hachem, il se souvient de nous en ce grand jour de Rosh Hashanah, il se souvient de nous et il nous juge, et le chauffard, c'est le fait qu'Hachem, il se dévoile à nous, il réside parmi nous grâce au chauffard, le chauffard du Mamadar Sinai, et, ouais, Atanigleta, Banan Kevodecha, dans ce Alar Sinai, pour nous donner la Torah, c'est comme ça qu'Hachem, il sait, que au Bekol chauffard, au Fata, je sais plus comment c'est dit dans le Moussaf, c'est le principe. Ok? Donc maintenant, en rapport avec ces trois parties, Zichronot, Malchuyot, Zichronot, Shofarot, donc mentionner la royauté d'Hachem. Zichronot, c'est qu'Hachem, il se souvient de ses créatures et il les juge. Et Shofarot, c'est le fait que Hachem se dévoile à nous grâce au Shofar. Il faut sonner le Shofar, mentionner des psukim en rapport avec ça, avec les Zichronot, sonner le Shofar, Malchuyot. Malchuyot, sonner le Shofar, Zichronot, sonner le Shofar, et Shofarot, sonner le Shofar. D'accord? Mentionner des psukim, où justement, on va voir ces principes qui vont être mis en évidence. Les malchouyot, c'est qu'Hachem, c'est notre meilleur. A chaque fois maintenant, il va falloir mentionner des psukim, ça va être plus précisé dans la prochaine Mishnah, des psukim de la Torah, des Nevi'im et des Ktuvim, comme ce qu'on verra plus tard. D'accord? Des psukim qui vont en rapport avec ça. Ça, la mise à essentielle, c'est pendant le Moussaf. C'est la tfila spécifique qu'on rajoute en rapport avec les korbanot de Rosh Hashanah. Maintenant, n'importe quelle tefila, à part ça, elle est composée d'une introduction, Avot, Gvurot, Gdushat Hashem. Avot,
Elokeinu, Eloke Avotenu, Eloke Avotenu, Gvurot, Atagibor Lolam Hashem. Gdushat Hashem, Atagadosh Hashem Chakadosh. À part ça, à la fin, on a toujours le même principe. On finit en priant pour la, pour Yerushalayim, qu'Hashem fasse résider sa shrina en nous. Et Modim, on le remercie sur tout le bien qu'il nous fait. Et après, on finit avec le Birkat Kohanim et Sim Shalom. Ça, c'est la structure de n'importe quelle tefila. N'importe quelle tefila, elle démarre avec ça au début, et les trois au début, trois à la fin. Okay, maintenant, la différence, elle se passe au milieu. Qu'est-ce qu'on fait au milieu? À Rosh Hashanah, à Moussaf de Rosh Hashanah, il va falloir mentionner, d'une part, Zichronot Malchuyot Shofarot, en plus, mentionner la Gdushat Hayom, comme dans tout Moussaf, on mentionne qu'aujourd'hui, c'est un jour Kadosh, où on a porté des Korbanot au Beth. Oh non, on a porté des Korbanot au Beth Migdash. Donc voilà tous les éléments avec lesquels on doit composer une tefila. On va commencer avec, bien sûr, Avot, Gvurot et Gdushat Hashem. On va finir avec les trois dernières. Au milieu, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on a un problème. Il va falloir mentionner, d'une part, Malchuyot Zichronot Shofarot, et d'autre part, la Gdushat Hashem, Gdushat Hayom, le que c'est un jour saint. Sur ça, on a une machloquette, en fait. On a une longue Mishnah, mais c'est la toute petite machloquette qui se passe. C'est très simple. C'est... Ça se passe comme ça, on va faire avec mes doigts, d'accord? Vous me suivez? Et on a les trois doigts, c'est les trois premiers doigts. Ça va être, donc, Avot, Gvurot, Gdushat Hashem. Et ici, on a la fin, bien sûr, Retse, Modim et Birkat Kohanim. Et au milieu, regardez, on a quatre éléments, on doit faire trois brachot. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Alors sur ça, maintenant, on va avoir une différence. Quoi qu'il arrive, Zichronot Shofarot, ce sera les deux dernières. Là, maintenant, on a juste deux choses qui sont devant nous. C'est qu'est-ce qu'on fait avec les Malchuyot et le Shofarot. Et la Gdushat Hayom. Malchuyot et Gdushat Hayom, ce qu'on fait concrètement, nous, c'est qu'on les met ensemble. On commence avec Atabechartanu, Hachem, tu nous as sanctifié, tu nous as donné le Rosh Hashanah. Et puis après, allez-nous les Shaber, on commence à mentionner les Malchuyot. Ça, c'est ce que nous, on fait. Mais en réalité, il y a un petit problème, si on peut dire. Rabbi Yochanan ben Nouri, en fait, on va découvrir qu'il préfère, lui, prendre les psukim de Malchuyot, les mettre dans Atakadosh. Tout de suite après, on fait suivre la Gdushat Hayom, comme si on fait une grande mitzvah, une grande bracha, qui inclut la Gdushat Hayom avec les Malchuyot, parce qu'en fait, les Malchuyot, c'est le même principe que la Gdushat Hayom. C'est le même principe que les Malchuyot. D'ailleurs, dans le Atakadosh de Yamim Norim de chez nous, qui ensuite qui a été instauré, Bémet, on mentionne plein de choses en rapport avec la Gdushat Hashem, le fait qu'Hashem réside parmi nous, le fait qu'on attend son dévoilement sur terre, c'est Malchuyot, finalement, c'est ce qu'on fait, quand on dit l'Ador Vador, Ouvren, 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 Timloch, Hata, on fait que de mentionner la royauté d'Hashem dans la Gdushat Hashem. En fait, Rabbi Yochanan ben Nouri pensait qu'il fallait dire les psukim des Malchuyot dans Atakadosh. Et après, la bracha juste après qu'il a suivi, elle va être très courte, parce qu'elle va inclure juste la Atabechartanu, après on conclut avec Mekadesh Israël, Veyom Azikaron, et après on se met au chauffard en rapport avec les Malchuyot et la Gdushat Hashem. Tandis que Rabbi Akiva, comme ce qu'on va voir, il va nous dire non, tu laisses la Gdushat Hashem tranquillement, comme ce que tu l'as dans ton Sidour, et puis tu as les Malchuyot, tu vas les dire avec la Gdushat Hayom, de manière à ce que dès que tu finis, tu dis tout de suite, tu sonnes tout de suite le chauffard avec les psukim de Malchuyot. Pourquoi il veut absolument... Alors maintenant, on a tous les éléments, on va faire la Mishnah, on va découvrir la question exacte qui pose sur Rabbi Yochanan ben Nouri. Seder Brachot, l'ordre des Brachot de Rosh Hashanah, Omer Avot ou Gvurot ou Gdushat Hashem, comme on a dit, Avot, le mérite des pères, Elokeinu, Elokei Avotenu, Elokei Avraham Yitzhak Yaakov, Gvurot, Atagibor, Gdushat Hashem, Atakadosh, son nom est Kadosh. Après, Vekolel Malchuyot Imaen, il inclut les psukim de Malchuyot dans la Gdushat Hashem. Ve'enotokea, il ne sonne pas pour le moment. Il dit ensuite Gdushat Hayom, le jour que c'est un jour Kadosh. Et alors, Ve'tokea, Gdushat Hayom, Nekadesh, Israël, Yom Hazikaron. Ensuite, Zichronot, il dit le Zichronot, le psukim de Zichronot, Ve'tokea, il sonne le shofar. Shofarot, il dit le psukim avec le shofar. Ata negdeta banan kevodecha, pour nous donner la Torah. Et après, Vetokaïsum le Shofar, Veomer, et après il conclut Avoda, que Hachem agrée notre Avoda. À l'époque du Beth Amigdash, il y avait concrètement l'Avoda, donc on disait pas Vetrezanaïnu, Vishofre Sion. On remercie Hachem sur le fait qu'on veut qu'il agrée notre Avoda, notre service qu'on a fait. Hoda'a, on le remercie. Et Birkat Kohanim, avec le Sim Shalom, c'est le principe de Sim Shalom, c'est la Birkat Kohanim.
Divrei Rabbi Yochanan ben Nouri, Tel Aviv Rabbi Yochanan ben Nouri. Amar le Rabbi Akiva, le rétorqué Rabbi Akiva, mais non. Il mène en Tokia, regarde, t'as un problème. Tu m'as dit de dire les psukim de Malchouyot au moment où, dans la Kedushat Hayom, c'est pas bon. Pourquoi? Il mène en Tokia les Malchouyot. Si tu ne sonnes pas au moment où tu dis les Malchouyot, Lama ou Mazkir, pourquoi les mentionne-t-il? En réalité, il faut les mentionner, mais les mentionner dans un mauvais endroit. Si tu dis les mentionner là-bas, pourquoi il a fallu spécialement en dire 10? Comme ça, la Gemara explique plus la question. Et là, Omer est là. Mais c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut dire Avod, Gouvorot, ou Kdushat Hashem. Il dit La Bifade Avot. Et là, d'accord, Magan Avram. Gouvorot, Atagibor, ou Kdushat Hashem, comme ce qu'on a, Atakadosh, Hashem Kadosh, Amen et Kadosh. Et après, des Kolel, Malchuyot, et Kdushat Hayom. Les psukim de Malchuyot, il va la dire avec la Kdushat Hayom. Il va commencer à dire Atabech Hartanou, et puis après, il va continuer à le Meshabeach. Il va mentionner Ouvtoratra, Katouv les morts, ou Divrim Nevi'echa, Katouv les morts, Vechoulé. D'accord? Et donc là, il dira la Gdushat Ayom, les Malchouyot avec Gdushat Ayom, Vetokea, et alors il commence à sonner. Et après, il continue avec Zichonot Vetokea, Veshofarot Vetokea, les psukim de Zichonot, ils sont le Shofar, Shofarot, ils sont le Shofar, Vomer, Avoda, Avoda, ou Birkat Kohanim, et il conclut ensuite la Tfila avec Avoda, Avoda, Birkat Kohanim. Donc en fait, tout cet angle Mishnah, c'est pour nous dire simplement où mettre les psukim de Malchouyot avec le Gdushat Ayom ou avec le Gdushat Hashem. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.